La cité Saint-Maurice représente une expérience innovante à l'époque de sa construction en 1854. Elle s'inscrit parmi les exemples élaborés en France sous l'impulsion de Napoléon III afin d'améliorer les conditions de logement de la classe ouvrière. Construite à la campagne, aux portes d'une ville de Lille encore enserrée dans ses remparts, la cité Saint-Maurice offre un logement décent aux locataires y étant admis. En contrepartie, la vie à l'intérieur y est collective et régie par un règlement auquel chacun doit se soumettre. Aujourd'hui encore, la Cité Saint-Maurice apparaît aux urbanistes comme une opération d'une grande modernité. Avec ses appartements et ses maisons, son local associatif et ses jardins partagés, elle regroupe des types de logements diversifiés autour d'espaces et de services communs, favorisant les liens solidaires ou intergénérationnels. L'expansion des grandes villes françaises au XIXe siècle, et notamment de celles du Nord, est liée à l'important développement de l'industrialisation de ces territoires. La commune de Saint-Maurice connaît un essor industriel comparable à celui des villes de Lille, Fives, Moulins ou Oisem. L'arrivée du chemin de fer à partir de 1842 modifie profondément les circuits d'approvisionnement en matières premières et de commercialisation des produits finis. Dès lors, quelques grandes filatures de lin et de coton s'implantent à Saint-Maurice, Majoritairement dans les rues des Guinguettes et du Faubourg de Roubaix. L'industrialisation attire de nombreux travailleurs autochtones et étrangers dans des villes où le nombre de logements s'avère insuffisant. Cette situation engendre la multiplication de logements insalubres. Promiscuité, entassement et absence d'hygiène caractérisent alors les conditions de vie des ouvriers. Ce triste phénomène explique la nécessité des réformes qui se mettent en place à l'échelon national. De nombreux logements lillois, Font d'ailleurs l'objet de visites en amont de la loi du 13 avril 1850 portant sur les logements insalubres. Victor Hugo, alors membre de la délégation parlementaire, rend compte de la situation à travers le texte Les Caves de Lille. En janvier 1852, Napoléon III ouvre un crédit destiné à subventionner la construction de maisons ouvrières. De Lillois, coutumier de la promotion immobilière, semble particulièrement motivé par les aides mises en place sous le Second Empire. Le binôme se compose d'André Placide Fontaine-Guichard, propriétaire, et de François-Jean Colpart, architecte. Le 30 mars 1853, Fontaine-Guichard achète des terrains situés à Fives dans le but d'y construire une cité ouvrière. Les travaux démarrent en août 1854. Les habitations sont mises à disposition des locataires fin 1856. Entre-temps, Fontaine-Guichard constitue, avec d'autres propriétaires et commerçants, la société Saint-Maurice pour l'érection, l'entretien et l'exploitation de la cité. Lorsque l'on vient de, de la rue, euh, on découvre l'entrée, le, qui est un, un porche assez monumental, puis un passage sous, sous voûte. Il y a deux porches successifs avec euh, huit petites maisons disposées de chaque côté. Et euh, on débouche sur un jardin central euh, entouré de, de ces maisons de, de cour, avec euh, un étage et un comble. Habituellement, on pourrait trouver ces maisons euh, sur, le, le long d'une courée, mais là, par bonheur, elles sont disposées autour d'un jardin central. On doit avoir. Deux ou trois couraient comme ça sur l'île, il y en a très peu. Et elle est en plus très bien bâtie. Je pense qu'effectivement ça, 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 ça peut donner un, un, un très bel espace. Aujourd'hui, la cité Saint-Maurice est composée de 73 logements individuels et collectifs. Elle comprend 31 maisons individuelles, 27 appartements collectifs, six appartements avec entrée individualisée, 9 meublés étudiants. Environ 60% de ces logements appartiennent au pacte et 40% à des propriétaires privés. Initialement, la cité proposait une configuration différente sur un terrain plus vaste. Cette cité est située dans le faubourg de Fives, à l'extrémité de la rue des Guinguettes. On y entre par une sorte de vaste portique. Donnant sur une cour intérieure au milieu de laquelle est une chapelle. Tout autour, 64 maisons forment un vaste cercle autour d'un préau occupé par des jardins. La cité offrait déjà plusieurs types de logements destinés à différentes populations. Familles ou célibataires habitent la cité. Les logements ne disposent pas de l'eau courante. La cour comprend quatre latrines collectives réparties dans l'espace central et une chapelle située dans l'axe du porche. Ces éléments resteront en place jusqu'en 1954. En 1953, après 99 années d'existence, la société Saint-Maurice est dissoute conformément à ses statuts. La cité est vendue à la découpe. Alors que sa physionomie était jusque-là restée la même et que la vie collective y était privilégiée, les intérêts particuliers des nouveaux propriétaires dominent les nouveaux aménagements. Certains édifient un pigeonnier, d'autres des garages. Toutes sortes de petites constructions voient le jour et en quelques années, la cour de la cité en est saturée. Au début des années 70, le tracé de la voie rapide urbaine est programmé parallèlement aux voies de chemin de fer situées à proximité immédiate de la cité Saint-Maurice. Le tissu urbain est sérieusement écorché par les travaux qui s'engagent environ 700 logements sont rasés. Pendant un temps, la cité est elle-même promise à la démolition. Finalement, seule la partie sud sera rasée pour favoriser l'élargissement de la rue de Flers. Le caractère si particulier de la cité est mis à mal par le nouveau maillage urbain qui produit un grand nombre de délaissés et d'espaces peu qualitatifs. Au milieu des années 80, la cité Saint-Maurice est rattachée au périmètre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat Collier-Jacquet. La rénovation de nombreux logements de la cité est amorcée, avec notamment des travaux d'assainissement de réseaux et de voiries. Elle se poursuit par la rénovation des maisons, puis la transformation du grand bâtiment. Enfin, au début des années 90, la ville de Lille engage une politique d'acquisition foncière de l'espace central et de la voirie. Bien que l'organisation de la cité fasse figure d'exception à Lille, on retrouve souvent cette morphologie urbaine en Belgique à travers la forme du béguinage. Le béguinage désigne un ensemble de bâtiments construits autour d'une cour arborée, hébergeant souvent une communauté autonome de religieuses. L'ensemble comprend généralement les installations domestiques et monastiques, mais aussi des ateliers utilisés par la communauté. L'architecte François Jean Colpart, né à Gand, s'inspire vraisemblablement de cette configuration spatiale pour la cité Saint-Maurice. Autour de 1850, quelques initiatives de construction de logements ouvriers voient le jour dans la périphérie de l'île. Elles sont toujours le fait d'industriels souhaitant disposer et fixer leur main-d'œuvre à proximité de leur usine. La Cité escrive à marc en barœul construite la même année que la Cité Saint-Maurice, propose une configuration tout autre. Les maisons sont groupées par quatre et disposent chacune d'un jardin et de commodités personnelles. A l'inverse des biguinages flamands et de la Cité Saint-Maurice, la vie individuelle est privilégiée à la vie collective. En France, la question idéologique entre individualisation du logement ouvrier et vie communautaire fait débat et donne naissance à quelques utopies. La réalisation française illustrant le mieux cette situation est le Familistère de Guise. Construit par l'industriel Jean-Baptiste Godin dans l'Aisne, ce véritable palais social sans hiérarchie. Où ouvriers, ingénieurs et patrons vivent ensemble, témoignent de l'idéologie développée par Charles Fourier, figure du socialisme utopiste, dans la première moitié du XIXe siècle. Godin traduit cette pensée à travers une disposition classique, calquée sur le modèle fourriériste, un bâtiment central flanqué d'ailes qui délimite une place de parade. Au bâtiment de logement, l'industriel ajoute ce que le logement collectif permet et qu'il appelle les équivalents de la richesse c'est-à-dire des services que l'individu seul ne peut se procurer. Des économas, un théâtre, des écoles, une pouponnière. Dans son projet initial, l'architecte de la Cité Saint-Maurice utilise la cour comme un lieu de vie, de service, destiné à l'ensemble des habitants. Chaque habitant y est vu et voit les autres à tout moment de la journée. Comme au famillistère et dans le béguinage, la régulation des comportements se fait par la pression des regards. Comme au fin ministère, la Cité est régie par un règlement intérieur dès 1859. Le directeur gérant aura le droit de visiter les maisons et habitations composant la Cité quand bon lui semblera, à l'effet de s'assurer de l'état dans lequel le tout sera tenu. Les locataires ne pourront suspendre ni étaler leurs linges, nippes et habillements, pour quelque motif que ce soit, aux fenêtres ou contre les façades de leurs maisons ou habitations, ni étendre ou déposer les linges et autres objets de cette nature sur les haies, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur de la cité. Aucun locataire ne pourra avoir ni poule, ni chien, ni pigeon, ni lapin, soit dans l'intérieur des habitations, soit dans des cabanes ou cages placées à l'extérieur. Le plan de la cité, daté du 18 mai 1854 et validé par les instances ministérielles dans le cadre de la subvention d'État sollicitée par Fontaine Guichard et Colpar, mentionne la présence de maisons simples, de maisons doubles, d'un logement de concierge, d'un restaurant et sa cuisine, d'un logement de restaurateur, d'un établissement de bains et lavoir, d'un logement de gérant. D'une maison à usage de marchands, de pavillons de pompe et latrines, de bains pour hommes, de bains pour femmes, du Dans cette version initiale du projet, l'accès à la cité est situé rue des Hautes-Voies. Il s'agit d'un passage couvert aux dimensions modestes, compris dans un corps de bâtiment plus épais que le reste des constructions. Les bains et lavoirs sont également accessibles depuis la rue des Hautes-Voies mais par un second accès autonome situé en amont de la rue. La diversité des équipements tient compte d'usages particuliers et d'usages collectifs organisés de façon fonctionnelle. Ce premier plan connu de la cité, qui reste le plus abouti du point de vue programmatique, représente une sorte de projet idéal de la cité. L'architecte y développe techniquement certains éléments du programme. Il fait notamment des bains et lavoirs, un objet technique dans lequel la toiture devient un réservoir d'eau de pluie. De forme octogonale, le restaurant trône au centre de la cour. Il bénéficie de deux accès. Son entrée principale est axée sur le passage couvert rue des Hautes-Voies. Le plan paysager de la cour s'organise autour de l'octogone et propose une géométrie franche, contrebalancée par la présence d'un couvert végétal devant les façades exposées au sud. Le projet, réalisé et livré à l'automne 1856, n'est pas conforme au plan validé par l'État dans le cadre de la demande de subvention. Les modifications apportées au projet initial impliquent des changements majeurs. Le basculement de l'entrée vers l'ouest modifie le statut de l'espace central qui devient traversant. Dans l'axe de l'entrée, le restaurant est remplacé par une chapelle. Celle-ci est balisée par les quatre latrines. Alors qu'à la même époque, les logements de la cité scrivent bénéficient de sanitaires individuels, ici les latrines sont communes et à la vue de tous, comme dans une courée. Les bains et lavoirs ne sont pas réalisés. L'espace central est finalement l'unique espace de vie collective de la cité. N'ayant pas réalisé le restaurant, Colpar donne alors au Porsche le statut d'élément remarquable de la cité. Avant même que ne se développe massivement la monumentalité dans l'habitat à Lille, Colpart introduit cette caractéristique à la cité Saint-Maurice. L'homogénéité de l'ensemble bâti crée la seconde monumentalité de la cité, à partir de petites cellules d'habitat traitées par assemblage. L'architecte donne au lieu la grandeur qui est peut-être celle à laquelle Jean-Baptiste Gaudin croyait en voyant dans une forme architecturale supérieure l'idéal du progrès. Malgré une volumétrie homogène, la cité comprend des logements très variés. Les plans des maisons présentent des nuances plus ou moins importantes qui modifient l'habitabilité des logements. On peut aujourd'hui distinguer trois types de maisons. Les maisons courantes, avec plan type, les maisons singulières dans lesquelles le plan type n'a pas pu être réalisé. Les logements du rez-de-chaussée du grand bâtiment qui bénéficient d'une entrée individuelle depuis la cour centrale et d'une double orientation. Concernant les maisons dites courantes, l'ordonnancement de la façade est simple. L'architecte regroupe les maisons deux à deux par symétrie pour donner à l'ensemble des ouvertures, et notamment aux portes, une dimension généreuse et constante. Une porte pour entrer, une large fenêtre ou lucarne à chaque niveau pour éclairer l'unique pièce s'y trouvant. Un ressaut de briques souligne le contour des bercements. Les linteaux se distinguent par la présence systématique de trois pierres calcaires blanches. Comme la façade de l'usine, la façade des maisons s'ouvre généreusement pour bénéficier d'un éclairement maximum. La trame constructive de 4,50 m détermine la régularité des percements. La coupe du projet prévoit la mise en œuvre des planchers des deux niveaux supérieurs selon un système constructif mixte venu d'Angleterre, le voûte en brique sur poutre métallique. La hauteur sous plafond des rez-de-chaussée est de 3,15 m sous voûte, bien que réduite de 20 cm à l'étage, elle reste plus généreuse que les standards de l'époque. L'utilisation de ce principe constructif est peut-être liée à la volonté de bénéficier d'une certaine flexibilité dans le temps, mais l'emploi de la brique à la place de plancher bois traditionnel se justifie peut-être aussi par la pérennité du matériau. Colpart, qui s'est déjà rendu en Angleterre, s'inspire directement des préceptes d'Henry Roberts, dont l'ouvrage Des habitations des classes ouvrières est traduit en France dès 1851 à la demande de Napoléon III. Les maisons dites singulières s'adaptent aux situations des angles, jonctions et autres particularités d'implantation de la cité pour maintenir une image cohérente de l'ensemble bâti. Les logements du grand bâtiment, accessibles depuis la cour, assurent le prolongement de l'habitat individuel. Les étages supérieurs sont constitués de chambres. Jusqu'à ce que des changements typologiques majeurs interviennent dans les années 90, le rez-de-chaussée est composé en son centre de six logements identiques en duplex, présentant des caractéristiques plus spacieuses que les maisons de la cour. Sur une trame de 5 mètres de largeur, le logement dispose de deux pièces traversantes et communicantes, rendues autonomes grâce au report de l'escalier vers le centre du logement, ménageant ainsi un couloir de desserte. À l'étage, on retrouve deux pièces distribuées par un palier. Pour réaliser les deux niveaux supérieurs, l'architecte modifie le sens de portée afin de moduler la taille des chambres. Deux escaliers situés aux extrémités du bâtiment distribuent un long couloir intérieur aveugle. De part et d'autre sont situées les chambres. Dans les années 1950-1960, les chambres sont, au fur et à mesure des évolutions du peuplement, réaménagées en appartements. Les travaux de restructuration lourde engagés à la fin des années 80 par le pacte modifient radicalement cette partition typologique entre le bas et le haut du bâtiment. L'architecte François Lacoste redistribue, comme le programme le demande, le bâtiment par trois entrées distinctes. Il varie les types et crée des logements sur mesure à partir des contraintes de l'existant. Il est indispensable de repenser entièrement les circulations dans le bâtiment. La réhabilitation de l'immeuble va sensiblement densifier son occupation. Les cages d'escalier étroites et les longs couloirs sont à proscrire. Les accès aux logements seront les plus privatifs possibles. La création de parties communes de qualité assurera une bonne aération du bâtiment. Ainsi, la principale opération nécessitant des travaux importants de démolition et de reprise de gros œuvres. Consistera à retourner la façade principale sur la rue des hautes voies en modifiant les accès latéraux existants et en créant une entrée supplémentaire au milieu de la façade. La majorité des accès au logement se fera le long de cette façade de manière à créer, par le biais des parties communes, un espace de transition, d'isolation thermique et de protection contre les nuisances de la voie rapide et de la voie ferrée. Le grand bâtiment change d'aspect. Et tente de s'ouvrir vers le nouveau quartier, dont il est séparé par des axes de communication majeurs. Entre voûtes et arc de triomphe, le porche rue de la Cité fait écho aux grandes figures de l'architecture classique. Sa forme, inventée par l'architecte Sebastiano Serlio au début du XVIe siècle, se compose de trois baies. La baie centrale est couverte d'un arc en plein cintre. Les deux baies latérales sont couvertes d'un linteau à hauteur de l'imposte. Il s'agit d'une déclinaison des arcs de triomphe romains qui trouveront largement écho dans l'architecture néoclassique du XIXe siècle. Par l'introduction de cet élément d'écriture sophistiqué, Colpart inscrit la cité dans son époque. Après avoir opéré un changement d'orientation de l'accès à la cité, Colpart lui attribue donc une certaine stature, par rapport à l'espace public de la rue de la Cité nouvellement créé. De part et d'autre du porche, les façades du rez-de-chaussée sont vitrées. L'étage garde son ordonnancement habituel. Le porche est fermé par une grille et est éclairé par une lanterne suspendue qui participe à l'écriture classique de l'ensemble architectural. Le porche canalise les mouvements d'aller et venues des habitants. Il y a d'une certaine manière un espace d'observation pour ceux qui y vivent, mais ces maisons par leur proximité sont également plus exposées que les autres au regard. Selon les articles 15 et 16 du règlement initial de la cité, les voitures, chevaux et chariots entreront dans l'intérieur de la cité par la grande porte de l'établissement rue de la Cité. Les conducteurs devront toujours, et sans exception, tourner à droite dans le jardin sans pouvoir revenir sur leurs pas de manière à sortir par la gauche de la même entrée principale. Ils ne pourront en conséquence ni retourner leur voiture, ni se croiser, ni chercher à se dépasser dans le dit chemin intérieur. Bien qu'aujourd'hui l'automobile ait remplacé le cheval et la charrette, la cour n'accueille heureusement que peu de voitures. La bicyclette y tient une place importante, notamment grâce aux enfants. La vie de la cour s'organise avec et par les pratiques de chacun, alors que la cellule d'habitat reste le lieu de la vie privée, de l'intime. Âgée de 160 ans, la Cité Saint-Maurice représente un exemple significatif dans l'histoire du logement social à Lille. Elle reste un modèle alternatif au logement ouvrier de la première moitié du XIXe siècle, réalisé par des investisseurs éclairés de l'époque. Aujourd'hui, le statut public de la cour en fait plus que jamais un ensemble atypique.